Bonjour, je m'appelle Thierry Pozzo, je suis professeur à l'Université de Bourgogne. Je suis de la promotion IUF Senior 2010 et le thème de mon travail porte sur la cognition motrice. Qu'est-ce que c'est que la cognition motrice? Eh bien, c'est soutenir l'idée que le cerveau n'est pas un ordinateur. Autrement dit, qu'on pourra dépenser beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à simuler le cerveau avec des ordinateurs, qu'on ne trouvera pas vraiment les mécanismes de la cognition si on les désincarne. Autrement dit, je pense que la complexité du corps, du système musculo-squelettique, de tous les atouts biologiques, reflète la complexité de la pensée, et vice-versa, que la pensée, la complexité de la pensée est reflétée par la complexité du corps. En fait, ce n'est pas très original, c'est assez darwinien comme approche. L'IUF m'a permis d'approfondir donc ma réflexion autour de ces questions parce qu'elle m'a donné donc de la liberté, du temps et surtout parce que l'IUF représente une espèce de grand campus virtuel multidisciplinaire où les rencontres sont possibles dans d'autres domaines et on sait que sa propre discipline ne peut évoluer et ne peut devenir innovante que quand on discute avec des naïfs de sa propre discipline. Donc pour moi, l'IUF, c'est le seul campus virtuel en France, et c'est déjà beaucoup pour les raisons que je viens de vous dire. Merci. T'es court, hein ?